Thank you.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24. La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étant abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Thank you.
Ça sent la peur. Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu possèdes quelque chose qui m'appartient. Ça. Donne-moi. Tu ne te sers plus à rien. Si vous voulez, venez le chercher ! Donne-le-moi ! On a perdu sa crosse.
chance, j'ai retrouvé. Comme un animal en cage. Ça te fait quoi de te sentir seul? Je sais pas combien d'années, ou je sais pas, j'en sais rien. On va fouiller et on va peut-être pouvoir trouver quelque chose dans les placards. J'ai faim. Je sais. Il n'y a plus rien. On va faire le tour du proprio. Bien. Ça.
Regarde par là-bas et fais gaffe. Repose-toi, je vais essayer de trouver de la nourriture. Ça va aller, t'es sûr? Ouais. Fais attention à toi quand même, parce que tu sais jamais où ils sont. D'accord. Allez, je reviens vite. J'ai été assommé par derrière. Là-bas.
C'est quoi cet endroit? Un bunker, on va passer la nuit ici. C'est un endroit sûr? Oui. Allez, viens. On va passer la nuit ici. Dehors, c'est trop dangereux. En pleine nature, ils vont nous retrouver. D'accord. On va aller par là. Comment tu t'appelles? Cœur. Et toi? Angèle. Après la guerre, je me suis retrouvée en pleine nature. J'étais poursuivie par ces hordes de personnes qui m'ont pourchassée à travers les bois. Ils m'ont capturée durant 3 jours, 3 nuits. Ils m'ont enchaînée. Ils m'ont menacée de me tuer si je bougeais. J'ai essayé de m'enfuir. Dehors, c'est le chaos. Je vais te raconter, moi. Pendant la guerre, je suis tombé malade. Les médecins me disaient qu'il faut passer peu de jours. Tu vas me prendre toi malade ou... J'étais ressuscité. Et quand j'ai sorti de terre, c'était comme si tout était flou. Comme si je vivais un rêve ou je sais pas, j'étais nu, j'avais froid, j'avais faim. Et j'ai marché, j'ai enfin trouvé des vêtements, j'ai réussi à plus ou moins me nourrir. Et à un moment je me suis isolé dans une maison, j'ai tassé un livre. C'est la Bible. Et il lit un passage, chapitre 24, verset 21. Il y aura une grande guerre, telle qu'on n'a pas vue depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours m'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est pour ça que... il me poursuit. Pour récupérer... le livre. Et je sais pas pourquoi... Ils veulent me tuer. Ils sont là en train de... J'ai vu ce qu'il a fait à un de ces leurs. Il a tremblé. On va se reposer. Repose-toi. Et demain on partira. On quittera cet endroit. On verra nos chemins. Le chemin qu'on va prendre. Thank you.
sont là, ils sont en nos trousses. Oh non. On se barre. Qui est là-bas. Viens. On va faire le tour, on sait jamais. Ils ne lâcheront pas, c'est moi qui veulent, ils veulent le livre. Je t'abandonne pas. Non. Et toi, j'ai trouvé salope.
donne-moi ce putain de lit. C'est ça que tu cherches? Donne-moi ce livre. Va chercher. Donne-moi ça! C'est fini, t'as plus rien à craindre. Angèle. Tu es là. C'est lui, il est mort. Tu l'as tué. Tiens. Merci. Thank you.
Tu as une mission. Une grande mission. Prends la sainte écriture avec toi et protège-la. Tu vas être guidé. Qu'est-ce que je dois faire? Tu le sauras. Bientôt. Abel, fils de cœur et d'Angèle.